c'est Mila. Et mon animal magique Morphée peut se transformer en tout ce que je veux. Allons-y. Vous vous êtes bien amusés à la foire, Mila et Morphée? Oui. Et j'ai vraiment hâte de jouer au goûter avec la nouvelle poupée qu'on a gagnée. Morphée pense que le bébé ne veut pas de thé. Allez, Morphée, rendons ces jours magiques. Animi, tu peux donner vie à notre poupée? Comme ça, elle pourra vraiment participer. Bonjour, Marie la bâtisseuse. Bonjour. J'ai besoin d'un animal magique pour m'aider à déplacer des briques très lourdes. Quelqu'un peut m'aider? Animi pourrait leur donner vie et ils pourraient se déplacer tout seuls. Ce serait génial. Nous revenons bientôt, Mila et Morphée. Les friandises pour animaux magiques ne sont pas de la nourriture pour bébés. Transforme-toi en melon. Je ne pense pas qu'amener le bébé à la vie était une si bonne idée. Emmenons le voir à Nimi pour qu'il le transforme à nouveau en poupée. Monsieur Vanderbouze et Barky! Morphée, transforme-toi en cerf-volant pour faire descendre le bébé de la voiture! Désolé, Géraldo, on t'aidera à le réparer plus tard. Morphée, transforme-toi en camion à benne pour attraper le bébé. Morphée, morph. J'ai une bonne idée. Berçons le bébé pour qu'il s'endorme. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Tu l'as fait, Morphée. Animi, s'il te plaît, peux-tu rendre à notre poupée sa forme normale? Morphée pense que bébé est réveillé. Oh, s'il te plaît, fais vite, Animi. Ouf. Mila, qu'est-ce qui se passe? Désolé, papa. La prochaine fois, on pourra jouer au goûter sans donner vie au jouet. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Je dois partir faire quelque chose maintenant, Morphée. Morphée, viens. Désolé, c'est un secret, donc tu dois rester ici. C'est pas grave, je reviendrai bientôt. Bye bye, Morphée. Oh. Qu'est-ce qui va pas, Morphée? Où est Mila? Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'elle sera bientôt de retour. Morphée, Mila! Mila! Bonjour, Morphée. Oh, mon ami, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mila est là? Elle n'est pas là. Désolée. Repose-moi, Morphée. Mila est là? Non, Morphée, elle n'est pas là.
Et Mila est là? Non, Marfel. Je suis sûr qu'elle est quelque part dans le coin. Où est Mila? Marfel pleure. Pas dans ma ville. Allez, Marfel, sèche ses larmes. Mila t'attend sûrement à la maison. Pas si vite, Marfel. Tu n'as pas encore vérifié l'arrière-cour. Surprise! Chaque jour est un jour magique avec un animal magique et de bons amis. Rendons ce jour magique. Marfel, transforme-toi en moi. Ouais. Maintenant, enfile ça et on pourra faire des farces à papa et à nos amis. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Marfel, être Mila. Oh, ah, c'est toi, Mila. Je ne t'ai pas vu descendre. C'est parce que j'étais encore là-haut. Oh, alors tu dois être Marfel. Salut, Mila. Est-ce que Marfel et toi, vous voulez jouer? Marfel, pas ici. Mais Mila, jouez. Super, allons-y. Salut Mila. Salut. À quoi on joue Mila? Tu es la meilleure pour trouver des jeux drôles. Chat. Ouais. Ok Mila, c'est toi le chat. Marfel n'est pas avec eux. On peut donc leur voler tous leurs jouets. Excellente idée. Hé, hey, c'est à nous. Merci pour le hula hoop. Mila. Hey, c'est pas gentil. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Fais-moi descendre. Il y a deux Mila. Hey, reviens. Comme d'habitude, et soudain, je suis devenue minuscule. Nous devons te ramener à ta taille normale. S'il te plaît, dépêche-toi. J'ai des passagers à récupérer. On va t'aider. Marfel, transforme-toi en bus. Marfel, Marfel. Regarde, tout est minuscule. Mais qu'est-ce
Mais où est l'officier prise? Ah! Oust! Éloigne-toi de moi! Oh, oh! Merci, Mila. Les bandits m'ont rétréci au moment où j'allais monter dans ma voiture. Je savais qu'ils étaient derrière tout ça. Mais comment allons-nous les trouver? Je sais! Nous allons suivre la piste des objets rétrécis. Marfel, transformez-toi en voiture de police et rendons cette journée vraiment magique! Marfel, Marfel! Un mini ballon de foot? Ah, bizarre! Un mini commissariat de police? Oh, ils ont même rétréci le camion de crème glacée! Quoi? Pas dans ma ville! Les bandits sont forcément passés par là! Mais où sont-ils maintenant? Une minuscule petite grue! On doit récupérer ce rayon rétrécissant! Attrape ces méchants bandits, Morphle! Donnez-nous ces rayons rétrécissants, vilain bandit! Jamais! Laissez-nous partir! Zap! Maintenant rétrécis, Marfel! Hey, qu'est-ce qui se passe? Marfel, attrapez Bandy! Merci pour votre aide, Mila et Morphle. Je pense que vous allez garder cette taille un bon moment. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Et voilà, deux petits robots comme demandé. Excellent! Comment ça? Oh! Rien du tout! Merci! Bye bye! Oh. Tu as bien tout apporté? Eh ouais! Et voilà! Oh, regarde! Ce sont les bandits! Regarde! Ce sont les bandits! Oh! Psst! Morphle! Mila? Où est la balle? Oublie le ballon! On y va! Maintenant, viens avec moi! D'accord! Morphle, tu veux jouer à un autre jeu? Non! Ok! Tu veux rentrer à la maison? Non. Tu as une autre idée? Non. Morphle, va chercher ses glaces. Mila, pas payé. Mila? Tu agis vraiment très bizarrement, Morphle. Tu ne veux même pas te transformer. Non. Tout ce que tu dis, c'est non, non, non. Papa, Morphle est vraiment bizarre. Enfin, Mila, ce n'est pas gentil de dire ça. Hé, hey, Morphle, est-ce que tu veux de la glace? Non. Pas de glace? Ce n'est pas possible. Quoi? Hein? Tu vois, ce Morphle n'est pas réel. Ah, les bandits! Les bandits! Morphle, prends la balle maintenant. Ouais! Ouais! Hé! Hey! Papa! Là-bas! Oh! Oh non! C'est le papa de Mila! Hé, hey, Mila! Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, des trucs de filles. Psst! Morphle, par ici! Ah, d'accord. Continue alors. Bye bye, Mila. Au revoir, papa.
Et c'est parti pour plus de bêtises. Morphel ? Par le mur, non. Transforme-toi en... Une voiture de police, non. Un camion de pompiers, non. Un éléphant, alors, non. Un sérum de jeunesse que je vais tester sur mon assistant. Oh, c'est si mignon. Ah. Oh. Oh. Je ne sais pas m'occuper d'un bébé. Tu dois l'emmener voir son papa pendant que je prépare un antidote pour la retransformer. Milo. Blanc.
violet toutes les couleurs de la ville. Tu ne devrais pas faire ça. Un monde sans couleurs n'est pas amusant du tout. Oh, le tigre est drôle. Oui, c'est drôle. Peignons d'autres animaux avec des couleurs amusantes. Oui. Tu es là, Chroma. Je te cherchais. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville parce que tu as enlevé toutes les couleurs. Morphel peut aider Chroma à tout repeindre dans ses couleurs d'origine. Eh bien, il semble que vous aviez raison. Je vous en prie, allez-y. Wow, vous avez déjà résolu tous les problèmes de la ville. Morphel et Chroma font une super équipe tous les deux. Ouais. Vous voulez jouer à cache-cache? Ouais. Mais surtout, ne sortez pas du jardin au cas où ces vilains bandits seraient dans les parages. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes prêts? J'arrive! On arrive bientôt. Porte! J'ai une meilleure idée! Volons ce vélo! La levée des ponts. On peut le faire. Je vous ordonne de vous arrêter. Hé, Morphel, transforme-toi en hélicoptère pour survoler le pont. Merci, Mila. Maintenant, on a notre propre hélicoptère. Ouais. On va te dégommer! Oh non! Ce sont les bandits!
Ouais. Et on va répandre cette gelée gluante partout en ville. Non, ne leur dis pas le plan, imbécile. On doit les arrêter. Morphel, transforme-toi. Pas dans ma ville, Mila et Morphel. Qu'est-ce que tu penses faire? On doit attraper les bandits. Vous devez surtout nettoyer tout ce gluant désordre que vous avez mis. Mais nous... Maintenant. Allez, nettoyons ça vite. Maintenant, empêchons ces bandits de rendre la ville gluante. Vous continuez de rendre la ville gluante? Nettoyez tout ça! Mais nous... Maintenant! Ok, officier Freeze. Oui! Encore nettoyé! Besoin de quelque chose qui peut atteindre la bave en hauteur. Morphel, transforme-toi en camion de pompiers. Morphel, oui, on l'a fait, Morphel. Mais maintenant, on doit attraper ces bandits. Allons-y. Ils sont là. Vite, Morphel, aspergez-les avec de l'eau. Tu peux le faire, Morphel. Non. Donc, c'était les bandits qui mettaient tout ce bazar depuis le début. Ben oui, c'est ce que j'essayais de vous dire. Désolé, Mila et Morphel. J'ai tiré des conclusions hâtives. Et merci pour le nettoyage de la ville. Maintenant, je dois nettoyer les rues des méchants. C'est pas grave. Au moins, on a attrapé les bandits gluants. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Mila, Morphel, le gardien du zoo a appelé. Il a dit qu'il aurait bien besoin de votre aide au zoo. D'accord, papa. Morphel, transforme-toi en maison volante. Mila, Morphel, super, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que toi et Morphel pouvez aider à amener ce pingouin, ce chameau et ce singe dans leur nouvelle maison dans la nature? Bien sûr. Super. On pourra tous voler dans la maison volante de Morphel. Le désert est chaud et sec. C'est la maison parfaite pour un chameau. Morphel, regarde, c'est un dragon. Je crois qu'il veut venir avec nous. Je pense qu'on peut lui trouver une nouvelle maison. Pas vrai, Morphel? Oui! Le pôle sud est la maison parfaite pour un pingouin. Mais c'est bien trop froid pour un dragon. Ok, allons dans un autre endroit. La forêt tropicale est la maison parfaite pour un singe. Oh oh, mais je pense que la forêt tropicale est trop humide pour les dragons. Ce n'est pas facile de trouver l'endroit parfait pour un dragon, mais nous n'abandonnerons pas. Regarde, Morphel, c'est un volcan. C'est vraiment l'endroit parfait pour un dragon. Ok, dragon, tu sembles très heureux dans ta nouvelle maison. Maintenant, il est temps pour Morphel et moi de rentrer à la maison. Ah.
importe où les animaux magiques se trouvent dans le monde, ils ne se sentiront jamais chez eux sans leur compagnon humain. Mais j'ai déjà un animal magique, Morphle. Mais je sais où on peut te trouver un super compagnon humain. Au centre des animaux magiques, nous vous trouvons un compagnon magique en un rien de temps. Regardez, ceci est ma nouvelle invention, le Teddy Zapper. Il peut transformer les humains en ours en peluche. N'est-ce pas génial? Morphle joue avec l'ours en peluche Mila. Au revoir, professeur Paula. Au revoir, Mila et Morphle. Maintenant, il est temps de me retransformer. Oh non! Mes pattes de nounours ne peuvent pas attraper le Teddy Zapper. T'as entendu ça? Ouais, j'adore les ours en peluche. Imagine comme nous serions heureux si nous transformions tout le monde en ville en tout petit ours en peluche. Hop là. Oh. Ours en peluche, Mila. Meilleur ours en peluche. Oh. Bondi. Ils ont pris le Teddy Zapper. Pas dans ma ville. Nous allons arrêter ces bandits. Morphle, transforme-toi en tigre. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Votre chapeau magique. Quoi? N'y pensez pas. Hey, retransformez-moi immédiatement. Vous ne mettrez pas la main sur nos chapeaux magiques. Morphle, transforme-toi en T-Rex effrayant. Morphle, on n'avait pas pensé à ça. On doit encore trouver le Teddy Zapper. Vite, attrapons-les. Et si on vous transformait en ours en peluche? Le Teddy Zapper ne fonctionne que sur les humains. Oh non. Maintenant je suis un ours en peluche. Oh, tu es si mignon. Maintenant, nous pouvons zapper tout le monde à nouveau. Ah, c'est mieux. Mais pas pour vous deux. Oh, c'est pas grave. Au moins, j'aurai un ours en peluche avec moi en prison. Yorn, lâche-moi. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Regarde, Morphle, comme ça. Morphle aussi, Morphle aussi. Ne t'inquiète pas, Morphle, tu vas prendre le coup de main, mais tu ne seras jamais aussi bon que ce petit gars. Voici Boba, notre nouvel animal magique. Boba adore faire des bulles. Il a tendance à buller de joie à cause de ça. Oh, tu vois? Ça a l'air amusant. Boba, c'est assez haut là. Je ne peux pas sortir. Morphle, transforme-toi en quelque chose de grand. Le camion à benne. Maintenant, Morphle, sauve Mila. Mila? Qu'est-ce que... À l'aide! Aidez-moi! Morphle, au secours!
Te voilà, Boba. Écoute, tu ne peux pas juste faire des bulles magiques partout. Ça cause beaucoup de problèmes. Papa! Morphal, tu peux éclater ma bulle? Oh! 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 Ouf! Merci, Morphal. Dans la bulle, de savoir si j'allais revoir ma voiture. Eh bien, Boba, la prochaine fois que tu fais des bulles, ne le prends pas si littéralement. Je vous avais prévenu qu'on vous attraperait à chaque fois que vous ferez des méchancetés, bandit. Merci, Mila et Morphle. Si seulement nous avions notre propre animal magique, nous pourrions causer encore plus de problèmes en ville. Regarde, c'est Orphel. Peux-tu nous sortir d'ici? Ouais. Oh non, mes voitures. Quoi? Comment êtes-vous sorti de prison? Ah, pas dans ma ville! Oh non, c'est l'officier Freeze! Oh, vite, Orphel, transforme-toi en quelque chose de grand! Un T-Rex! Je pensais que tu serais plus effrayant! Oh, un singe? Hé, rends-moi mon appareil photo, s'il te plaît. Yep. Essaye de l'attraper. Yep. Ces bandits ont utilisé un robot pour faire ça. Les attrapera, Dieu le mécano. Les bandits ont un effrayant dinosaure T-Rex. Un dinosaure et un robot? Comme c'est étrange. On va les attraper, officier Freeze. Ces méchants bandits et leur vilain singe ont coincé mon appareil là-haut. Allons trouver ces méchants bandits, Morphel. Un robot, un dinosaure et un singe? Je pense que ces bandits ont Orphel avec eux. On les attrapera, April. Oh non! C'est Mila et Morphel! Vite, Orphel, transforme-toi en quelque chose de grand! Morphel, transforme-toi aussi en T-Rex! Morphel, non! Quelque chose de plus gros! Je ne me sens pas très bien. Orphel, arrête ça. Ok. Orphel, fatigué maintenant. Je vous ai dit qu'on vous attraperait toujours si vous faisiez de méchantes choses, bandit. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Bonjour Mila et... Morphel, je crois que j'ai la grippe et je suis incapable de faire mon travail. Pouvons-nous vous aider, Monsieur Joe? Morphel aide. Ces véhicules doivent être livrés à leur propriétaire rapidement et j'ai une... J'ai cette liste... Tous les noms des
propriétaires des véhicules sont tachés. Mais je pense qu'on peut quand même y arriver. Marfel, transforme-toi en un gros camion rouge. Je pense que le tracteur doit aller à l'officier de police Freeze. Un officier de police a besoin d'un tracteur? Je crois que c'est ce qui est écrit sur la liste. Ok. Mais ça... Je suis désolée, officier de police Freeze, mais nous sommes pressés. Oups, désolée. Je ne vous avais pas vu. Ces enfants. C'est pas possible. Pas si vite. Oh non, je pense que nous avons fait une erreur, Marfel. Transforme-toi aussi en voiture de police. Marfel les attrape. Maintenant, essayons d'amener les véhicules à leurs propriétaires respectifs. Je pense que ce tracteur appartient à... Fireman Bob. Et le camion de glace doit appartenir à Geraldo. Hey, Mila et Morphle, alors comment ça s'est passé? Tout a été livré, Monsieur Joe. Oh, super! La liste vous a été utile? Eh bien... Waouh! Regardez cette étoile qui traverse le ciel à toute vitesse! C'est une étoile filante. Jette un œil. Savais-tu que lorsque tu vois une étoile filante, tu dois faire un vœu? Les étoiles filantes réalisent les vœux? Oui! Orphel veut une étoile qui fait des vœux! Trouvons un endroit plus haut d'où nous pourrons mieux voir l'étoile filante. Comme le sommet d'une montagne. Morphel, transforme-toi en super costume! Morphel! Orphel, plus rapide! Orphel veut l'étoile! Morphel, ajoute un jetpack sur le super costume! Wow.
Je souhaite que chaque jour soit un jour magique avec des animaux magiques. Monsieur Miroir, pouvez-vous nous montrer ce qui se passe dans le monde des miroirs? Ceci est tout à fait dans mes cordes, Mila. Morphle aime le monde des miroirs. Morphle. Non, 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 Morphle, remets-le à sa place, vite. C'est Morphle, dans le monde des miroirs, tout est à l'opposé de ce qui se passe dans notre monde. Et comme Morphle est très amical, j'ai peur qu'Orphle ne veuille faire que de mauvaises choses. Bien vu! Il ne faut pas qu'Orphle se promène dans la ville et sème la pagaille. Viens, Morphle, jouons un peu avec Chroma. Bonjour, Morphle. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, officier police! Génial! Hein? Oh, oh, oh! Qu'est-ce que tu fais? Oh. Morphle! Morphle! Tu ne peux pas juste me laisser ici! On dirait que quelqu'un te cherche, Morphle! Te voilà, Morphle! Maintenant, fais-moi redescendre d'ici! Merci, mais je n'apprécie pas ce genre de manigance. Bien sûr, non. Comment ça, non? C'est pourtant toi qui m'as mis sur le toit. Mais Morphle était avec nous à l'intérieur pendant tout ce temps. Non, il m'a mis sur le toit et il en riait. Comme ça. Oh non, ça ressemble à Morphle. Oh, nous devons le trouver. Tu fais, Morphle? Tu construis quelque chose? Hein? Oh! Hé! Hey, c'est quoi le problème ici? C'est vraiment pas drôle, Morphle! Mais si lui c'est Morphle, c'est qui lui? Et qui est le vrai Morphle? On doit s'assurer qu'Orphle ne puisse plus prétendre être Morphle. Chroma, pas Orphle en vert. Orphle vert? J'espère qu'Orphle ne nous refera plus le coup. Avec l'hypnorion, Yann. Laisse-la démolir ce bâtiment. Détruis le bâtiment. Morphle, transforme-toi en robot géant pour être aussi grand que les bâtiments. Morphle. Empêche Marie de détruire la ville, Morphle. Morphle, arrête Marie. Non, Morphle, aide-la à détruire la ville. Ok, bandit. Oh non, Morphle est devenu mauvais. Grâce à cet hypnorayon que nous avons volé à Paola la scientifique, tout le monde dans la ville devra faire ce que nous disons. Donne-nous des glaces gratuites. Glace est gratuite. Papa, les bandits obligent tout le monde à détruire la ville. Comment pouvons-nous les arrêter? J'ai un plan. Nous sommes de brillants bandits.
Et tout ça grâce à cet hypno-rayon. Papa, attrape les bandits. Hey! Paola, prends l'hypno-rayon. Je récupère ça. Vite, déshypnotise Morphel. Oh, Marie, et l'officier Freeze. Morphel et Marie la bâtisseuse, pouvez-vous s'il vous plaît reconstruire la ville? Ouais, Morphel aime construire. Officier Freeze, arrêtez ces bandits. Pour avoir saccagé la ville, vous deux allez en prison. Pourquoi est-ce que tout le monde fait ce que Mila lui dit de faire? Ouais, tu les as hypnotisés. On n'a pas fait ce que Mila a dit parce qu'elle nous a hypnotisés. On l'a fait parce qu'elle avait un super plan. Hein? Forcer les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas très gentil. Beau travail, tout le monde. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Bien attrapé, Mila. Il a atterri dans mon chapeau. Un requin! Il y a un requin! Oh non! On doit l'aider. Morphel, transforme-toi en bateau de course pour qu'on puisse vite aller l'aider. Morphel! Coincé dans les algues. Je vais t'aider, Morphel. Oh! Tu vas bien? Je vais bien, mais je n'ai pas vu où le requin est allé. Je suppose qu'il est reparti. Morphel, tu dois te retransformer en toi-même pour te libérer. Ne t'inquiète pas, tu seras en sécurité, je te le promets. Nous sommes avec toi et ce stupide requin n'est plus là. Allons jouer. Et si on faisait la course pour regagner la plage? C'est parti! Le requin est de nouveau là! Morphel! Attends, je reconnais ce ricanement. Je pense qu'Orphel fait juste semblant d'être un requin effrayant. Il nous fait une farce. Ce n'est pas très gentil. Non, tu as raison. On devrait peut-être montrer à Orphel ce que sa farce nous a fait ressentir. Morphel, s'il te plaît, transforme-toi en un plus gros requin qu'Orphel. Morphel! On ne veut pas être méchant, Morphel. Nage simplement autour d'Orphel. Morphel, tu nous as fait une blague. Alors je voulais te montrer à mon tour ce que l'on ressent. Morphel, désolé. Je suis sûre que tu ne voulais effrayer personne. Morphel veut jouer. Pourquoi ne pas jouer à un jeu tous ensemble? Ouais. On pourrait jouer à cache-cache. Ou au polo dauphin. Morphel et Orphel pourraient se transformer en dauphin. Et on pourrait les chevaucher. Morphel et Orphel, ne laissez pas le ballon tomber dans l'eau. Au revoir. Ce n'est que moi. Ce n'est pas un requin. C'est papa qui porte son chapeau aileron de requin. Oh, papa. Hey, que diriez-vous d'une course entre papa et les dauphins? C'est un jour magique avec un animal magique. Morphel rebondit plus haut. Oui. Bonjour Mila, Morphel, Boba. Est-ce que vous avez vu ma dernière invention? Waouh, ça a l'air génial.
Qu'est-ce que ça fait? Elle peut agrandir n'importe quoi. Est-ce qu'il peut rendre les bulles de boba plus grosses? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Attraper Animi. Une fois qu'Animi aura donné vie à notre animal magique, nous aurons la parfaite créature voleuse de bonbons. Yorn, vas-y. Il est vivant. Allez, va nous voler des bonbons d'Halloween. Animi plus là, oh. Allons le chercher. Ah. Oh, c'est toi, Morphle? Voler des bonbons? Pas dans ma ville. Eh bien, voilà mes menottes extra larges. Oh, un géant, Morphle. C'est une sorte de Frankenmorphle et il vole les bonbons de tout le monde. Non. Ah, non. Morphle, transforme-toi en loup-garou et sauve Géraldo. Ah, ah. Ah, oh, oh. Oh, merci, Morphle. J'ai cru qu'il allait me manger comme une glace. Frankenmorphle est en train de partir. C'est vraiment un super costume. Mais où est Mila? Oh! Tu aurais dû te demander si tu voulais des bonbons. Notre animal magique ici, maléfique.
Il est encore plus beau que je ne pouvais l'imaginer. Mais bon, fou. Il faut retrouver Animi et annuler le sort jeté à Frankenmorphle avant qu'Halloween ne soit gâché. Oui, joue le jeu, Morphle. Hé, hey, Morphle, est-ce que ça te dirait de goûter à ces délicieux bonbons? Ah, bonbons délicieux. Morphle, transforme-toi en balai et vole autour de Frankenmorphle. Frankenmorphle à la normale. Merci, Animi. Maintenant, vous, les bandits, allez devoir rendre à chacun ses bonbons d'Halloween. Les animaux magiques ne doivent pas seulement obéir à vos ordres, ils doivent vous faire confiance et être vos amis. Ce qui fait de chaque jour un jour magique avec un animal magique.